N'importe quoi. Nous allons boire n'importe quoi. De la neige, de la... Bref. Bienvenue. Bienvenue. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'épisode de The Long Dark. Octobre, stream, horreur, ah, jeu d'horreur, fun. Voilà. C'est mon résumé. Nous avons de l'eau non potable, si vous voulez. Donc, dans tous les cas. Alors, résumé plutôt de l'épisode précédent. L'épisode précédent, on était donc rentré de notre grande aventure. Nous étions rentrés de notre grande aventure, c'était plutôt bien passé, c'était cool. Nous étions donc au barrage Carter, enfin on est rentrés de là, on est arrivé au barrage Carter et tout ça. Et on a dormi ici et j'avais décidé d'arrêter là parce que c'était un peu chiant, parce qu'en fait il fallait juste retourner à la baraque quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc il y a genre un jour je crois qui s'est passé depuis le dernier épisode, peut-être 2 jours dans le jeu, hein, je parle. 2 jours maximum, j'ai pas fait grand-chose au final. Enfin j'ai pas fait grand-chose. C'est allé assez vite, voilà, c'est allé assez vite. J'ai remarqué qu'on n'a pas de tissu aussi. J'ai remarqué qu'on a très très peu de tissu, donc je sais pas ce qu'on a fait, on a dû le bouffer. Je pense qu'on a dû le bouffer. Mais après ça va. Sinon les vêtements, donc tout se réparait. Tout se réparait, on a pas mal de 100%, on a juste ça qui est à 87 qui est totalement potable. Désolé. Totalement potable, donc on va le laisser comme ça. On a aussi réparé le sac de couchage. Je l'ai réparé il y a quelques heures dans le jeu, il est déjà à 98. Bref. À quoi que, attends, peut-être que je dis des conneries. On l'avait réparé avant, non? On l'avait réparé avant de partir. Non, je dis des conneries. C'est moi qui veux gueuler sur le jeu pour rien. Désolé. Par contre, ça, je l'ai réparé juste avant de commencer la vidéo. Donc, en gros, il y a quelques heures qui se sont passées dans le jeu. Donc, ça, par contre, oui. Ça, oui. C'est passé maintenant à 99%. Je sais pas pourquoi. Après, j'avais réparé aussi les moufles. Pareil, 99%. Et ça, c'est toujours à 100%. Enfin, voilà. C'est bizarre, c'est bizarre. Sans sortir de la maison en plus, c'est très très bizarre. Bref, tout ça pour dire que nous sommes à 39 kilos. Nous sommes un peu lourds, pourquoi? Parce qu'on a, bon, on a 3 litres d'eau. On va les garder les 3 litres d'eau, on va les déposer si besoin. On a 1 kilo de viande ici, on a 1,41 ici. C'est parce que j'ai pêché aussi, honnêtement j'ai pas pêché longtemps, 2 heures, 3 heures. Dans le jeu, j'ai trouvé 2 poissons et puis basta quoi, c'est pas intéressant. On n'a pas vraiment monté en habilité ou en skill ou quoi que ce soit. J'ai fait quelques thés, quelques tisanes, j'en ai encore de côté, hein, c'est tout là. On a de l'eau bien sûr, c'est pour ça qu'on va prendre 3 litres sur nous, puis après on les balancera dans la nature comme d'habitude. On a l'habitude maintenant de pourrir la nature, on est un humain de toute façon, on roleplay un humain, c'est très important. On va manger ça, on va se goinfrer, puis après on va prendre genre un steak à 1 kilo. Donc il y a ça, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais aller assez vite. Donc on a des petites réserves de thé à créer, on en a 5 là, 5 là. On a aussi celui qui nous remet de la vie, donc 5 aussi. Après nous avons des bandages, des Jupiters, nous avons un stick pour nous planter ça dans le cœur. Pour le fun. Nous avons des thés, nous avons quelques thés déjà qui sont prêts. Je pense pas que on ait besoin d'en prendre plus, honnêtement, parce que... Est-ce qu'on va en avoir besoin de plus, honnêtement? Je pense pas. Non, je pense pas. Pour le feu, donc, on va prendre une trentaine d'allumettes. Nous avons un Fire Steel à 87%, une loupe à 60... Tiens, une loupe à 78, j'ai pas mieux. Juste au cas où. C'est vrai que j'ai pas regardé la loupe. Non, la loupe peut-être pas. Parce que les Fire Steel, j'en ai après des moins élevés. Mais du coup, vu qu'on part en vadrouille, mieux vaut prendre le meilleur équipement. Comme d'habitude, on fait un peu le tour de l'équipement. On prend le meilleur équipement disponible avec le plus de pourcentage et tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Ah oui, j'ai réparé tout l'équipement aussi. Genre les hachettes. La hachette, donc je les... Je l'ai aiguisé 100%, couteau 100%. J'ai même réparé ça. J'ai même pas réparé le faitout. Je l'ai mis à 100%. Ça sert strictement à rien de le faire, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai réparé la scie. Qu'est-ce qu'on a réparé avec la boîte? Parce qu'avec la boîte à outils, en fait, j'ai utilisé la boîte à outils, celle-là. Je crois que j'ai réparé l'autre scie. Ouais, j'ai réparé l'autre scie à 100%. Les autres couteaux, la hachette, pareil, 100%.
Nous avons plusieurs kits de couture, mais les kits de couture, honnêtement, c'est pas très très rare, donc on va en prendre seulement un seul. Nous avons 10 hameçons et fils au cas où. Nous avons une 21 flèches. Nous avons 21 flèches. Je pense que ça suffit largement. J'ai un doute en fait. J'ai un peu un doute. Bon, après, on va pas y aller à la Rambo. On n'est pas là pour tuer des loups en boucle, hein. Mais c'est vrai qu'on va se faire attaquer. Donc, est-ce que 21 flèches est suffisant? Et ben, pour être honnête, je sais pas trop. Moi, je voulais en prendre plus. Parce qu'après, j'ai encore des flèches. Là, j'en ai à 73%. Là, à 100%. Deux. Là, on a des fûts de flèches. On en a une centaine. À la limite, on pourrait peut-être en prendre deux de plus. Le problème, c'est que ça fait lourd, en fait, à chaque fois. Ça fait quand même lourd. Donc bon, j'imagine qu'on ne va pas aller quand même tuer 50 000 loups, quoi. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce qu'on doit prendre une corde, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on doit prendre une corde et tout ça. Donc il faut que notre poids soit correct. On va prendre deux flèches de plus. 23 flèches en tout. 23 flèches à 100%. Après, je suspecte qu'on va peut-être trouver des bois pour refaire des flèches. Mais honnêtement, pour perdre 23 flèches, faut le faire exprès, quoi. Faut y aller. Faut vraiment y aller, quand même. Pour perdre 23 flèches, faut vraiment le faire. On va regarder un peu le temps et on va partir. Il fait très très beau. Il fait très très beau. Alors, attendez, on va rentrer parce que je vais manger tout ça. Vu qu'il y a un peu de temps qui passe, on va se refroidir en fait, donc je préfère manger à l'intérieur. On a toujours ce problème de sauvegarde, hein, qui lag un peu, mais bon. On a un arc à 98%, donc c'est largement suffisant. Quoi d'autre? C'est tout. Je pense qu'on a fait le tour de l'inventaire, hein, on est tranquille. Maintenant, donc le chemin qu'on va prendre, donc il faut aller dans le ravin. Il faut prendre en fait, parce que la crique lugubre, je l'avais déjà, expliqué, crique lugubre, il y a deux passages, donc au lac mystère on peut aller à Muskegmorn, et c'est le premier passage qu'on avait pris, on arrive directement là. Honnêtement c'est le plus dur, parce qu'on arrive là, dans une galerie, et puis après on ressort ici, il y a la grande plaine, qui est un peu chiante à passer, et après il y a le lac, qui, je crois que ça c'est le lac du coup. La carte, honnêtement, elle est un peu bizarre. Enfin, bref, elle est dessinée étrangement pour moi à chaque fois. Et après, il y a les bâtiments de ce côté-là, où c'est qu'il y avait le pont et tout ça entre les deux. Et c'est très exposé, en fait. Donc, il y a beaucoup de loups et tout, c'est la galère. Donc, nous, du coup, on va devoir prendre le ravin. Donc, on va devoir prendre une corde pour descendre et tout ça. Et on va arriver, en fait, au sommet de la crique lugubre. Et là, il y aura encore une corde et tout. Par contre, je pense que la corde, elle y est toujours à 100%. Je pense pas qu'on ait besoin d'en ramener une nous-mêmes. Donc, on devrait être tranquille de ce côté-là. Mais du coup, ça sera beaucoup plus simple, en fait. Beaucoup plus simple pour esquiver les loups. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment cool. Normalement, on devra trouver le code pour aller dans le... où est-ce qu'on crée les balles, qu'on crafte les balles, en fait. Et en parlant de balles, on va y aller sans équipement, ok. On va pas y aller, genre, par exemple, avec tout ça, là, parce que j'ai mis tout ça de côté. Non, c'est pas là. C'est là. Donc, nous avons 12 plombs, nous avons des destructeurs de souche et poudre de soufre. Et ce qu'il nous faut, en fait, c'est des douilles. Il nous manque plus que des douilles. Et je crois qu'on a tout pour faire des balles, si je dis pas de conneries. Mais on n'en a pas. Donc du coup, on va y aller. Voilà. Tout simplement. On est prêt. Toujours un peu l'appréhension de partir, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a tout et tout ça, c'est un peu embêtant. Et pour passer au ravin aussi, c'est le passage vers le barrage. Donc on va devoir passer par là. Je pensais que c'était l'autre côté sur le coup, mais en fait non, l'autre côté c'est Muskegmorn, donc du coup il faut passer par ici. Donc on va passer par le lac d'abord, et après on remonte vers le barrage, et après il faudra prendre le côté à droite du barrage. Voilà. Il fait un très beau temps, très joli. Encore une fois, c'était le jour et la nuit, hein. Une fois que je suis revenu ici, donc je suis allé pêcher, j'ai même pas fait de feu, rien du tout.
Il y a un loup qui m'a poursuivi, il s'est pris une flèche. J'ai pu genre le dépecer et prendre toute la viande en une seule fois. En une seule fois sans problème parce qu'il faisait assez chaud. C'était... Ah là là, c'était jour et nuit quoi. C'était tellement, tellement simple. Parce que la vallée charmante, c'était une vraie catastrophe niveau température quand même. C'était vraiment, vraiment une catastrophe. Donc voilà. Par contre, on part tard, il est déjà après midi. Je suis pas trop fan de ça. Je sais pas vraiment comment on va se faire. On va aller dans le ravin. Il va sûrement faire nuit dans le ravin. Commencer à faire nuit dans le ravin. Le temps qu'on passe le ravin. Ah, on va peut-être devoir faire une partie dans la nuit. Hein. On va peut-être devoir faire une partie dans la nuit. Donc on va voir. On verra ça. Rivière axée sud. Ouais, je pense que il fera peut-être même nuit, genre au début du ravin. Je sais pas trop, on va voir. Parce qu'il y a un endroit où c'est qu'on peut se reposer, c'est où on trouvera la corde à la crique lugubre. S'il fait nuit là, ça va, c'est pas grave, parce qu'on pourra se reposer. On sera à l'abri. Donc c'est pas très très grave. Par contre, s'il fait nuit et froid avant, ça va être un peu embêtant. Ah oui, c'est vrai qu'on avait des collets ici. On va prendre du bois aussi. C'est embêtant pour le... On peut les prendre, hein. Je sais pas s'il y a un raccourci pour les coller, j'ai pas vraiment le temps de regarder. on est un peu pressé par le temps. Donc. C'est embêtant qu'on puisse pas continuer à marcher. Ça aussi, ça m'a vraiment... Je sais pas, de reprendre The Long Dark, ça m'a embêté de toujours être bloqué quand je regarde le menu et tout ça. Je sais pas, ça m'embête de plus en plus en fait, ce système. Genre le menu radical ou alors le menu genre le sac directement à l'inventaire. De jamais pouvoir se déplacer pendant qu'on peut regarder notre inventaire, ça m'embête de plus en plus. De pas pouvoir tourner la tête aussi. Fait beau hein. Tranquille hein, tranquille. Ici c'est... Ah la vache, ça donne pas envie de partir hein. Ça donne vraiment pas envie de partir. Il doit faire, vu la vitesse où ça descend, il doit faire genre 1 degré, moins 1 degré. Donc on est tranquille. Alors évidemment on va quand même combattre les loups hein. De toute façon, une fois qu'on sera là-bas, il faudra faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il va falloir monter un camp, hein, il va falloir trouver un camp, et il va falloir chasser déjà, mettre de la nourriture de côté, tout ça, faire un feu, mettre de l'eau, etc., etc., comme d'habitude. Faut toujours faire ça quand on arrive dans un nouvel endroit, parce que sinon, si on commence à courir après la nourriture et tout, c'est pas très bon. Plein de cerfs. On va peut-être pas prendre des... Parce que je voulais prendre des morceaux de bois, mais... Ça sert à rien de les prendre maintenant. On les prendra quand on aura passé les cordes. On attendait qu'il n'y ait pas de piège. De guet-apens. C'est super calme en plus. Je crois que, si je me rappelle bien, c'est quand je suis allé dormir, et du coup je me suis réveillé et après j'ai commencé l'épisode, je crois qu'il y a eu une tempête en fait. Donc du coup c'est super calme maintenant. Ouais, maintenant c'est super calme.
Bah. Ok. Je t'ai bloqué contre le caillou. Donc voilà. Quoi dire d'autre pendant qu'on. Pendant qu'on vadrouille. Ouais, donc stream de 2 octobre, film d'horreur, jeu d'horreur plutôt. Jeu d'horreur, on a fait quoi? On a fait une bonne liste, je suis assez content, ça s'est bien passé. Project 05, le premier qu'on a fait. Vraiment cool, vraiment vraiment sympa. Ah, par contre, j'ai peut-être pas de charbon. Ah, j'ai pas de charbon pour dessiner, mince. Ça m'embête. Bon, c'est pareil. Project 05, vraiment très bon jeu sur Wii U. Très très bon jeu. Alors normalement on devrait aller sur la droite et il y a une corde et c'est la corde à prendre. Ouh, il y a plein d'écorces. Pas mal, c'est pas mal. Ah donc ouais, Project 05, puis après on a fait quoi? Ah oui, j'ai voulu tester Alien Isolation mais ça m'a pas plu encore une fois donc je le finirai jamais le jeu. C'est bien ici, il y a plein d'écorces. Après on a fait quoi? Après c'était Eternal Darkness, je crois. Ouais. Je crois qu'on a fait d'Eternal Darkness sur GameCube. Vraiment très bon jeu aussi, passé un très très bon moment. Après on a fait les Resident Evil Heartbreak. J'oublie un jeu, je crois que j'oublie un jeu avant Eternal Darkness. Je sais. On a fait les Resident Evil Heartbreak, le premier et le deuxième. Très très bon jeu aussi. Et ce qui est bien, c'est que si on prend Project 05 et Resident Evil Heartbreak, il y a plusieurs modes de difficulté en fait, et il y a des choses cachées, des épisodes cachés et tout ça, qu'on débloque une fois qu'on a fait le jeu. Donc, une grosse rejouabilité en fait. Donc je vais sûrement le y rejouer. Vraiment, vraiment très heureux de ces jeux-là. Il y a un cadavre là. Ah mais mince, c'est la route. C'est la route normale, mince. Je pensais que la route normale était plus haute et que là c'était une sorte de petit endroit caché. En fait. Ah mais il faut aller prendre la corde. Il faut aller prendre la corde dans le... Ah j'avais oublié. La corde normalement elle est dans les wagons. Si jamais elle y est pas, bah... Ça veut dire qu'on va devoir se retaper le chemin inverse. Revenir à la maison, reprendre la corde, etc. Parce qu'on a une corde. Et je suis en train de me demander, la corde qu'on a à la maison, c'est laquelle? Est-ce que c'est celle-là qui est supposée être là-bas ou pas? Ça fait tellement longtemps. Je dirais que non, mais... Ah, du coup, on va être fatigué, mais bon. C'est pas grave, c'est les aléas de l'aventure. Ah, on a chaud aussi. Donc ça, c'est bien, on va pouvoir même dormir et se reposer sans problème. Passer par là, voilà. J'espère qu'on l'a pas prise là, cette corde. Normalement c'est une corde qui est à 100% ici je crois. Il y a des cordes comme ça qui sont toujours au même endroit en fait, c'est pour ouvrir des passages en gros. Mais voilà quoi. Alors. Est-ce qu'on est déjà venu ici? Si c'est vide, non, ça va. Donc on devrait trouver la corde. Est-ce qu'on a besoin de la ferraille? Alors... Bonjour. Mon dieu. C'est trop bizarre de tourner. C'est trop bizarre. Donc on est penché. Bon, on est à 48 kg, on a trop d'objets. C'est pas mal de trouver un marteau ici, honnêtement.
vraiment pas mal. Après la Resident Evil Hardback, on a fait Fear Effect. On a fait Fear Effect 1 et lundi on va faire Fear Effect 2. Ah, des jeux PlayStation 1. Très bon jeu aussi, hein, les Fear Effect. Il y a juste le dernier CD qui était un peu relou. Genre, on voit que les développeurs, ils en avaient peut-être un peu marre, ou alors ils savaient pas trop quoi faire, donc ils ont fait une sorte de zone un peu large où il faut faire des allers-retours, genre 6 ou 7 fois. Parce qu'on débloque un truc d'un côté, puis après il faut aller de l'autre côté, puis après il faut revenir pour débloquer encore plus de choses. Enfin, c'était, le CD 4 était un peu une horreur. Un peu chiant. Mais sinon, très bon jeu. On fera le 2, donc lundi. Hein, et puis après, je sais pas en fait. Je sais pas, on faudra finir avec un jeu. Normalement, il y a la suite. Enfin, le deuxième jeu de Man of Medan là, qui va sortir. Little Hope, ça s'appelle. C'est quoi le titre? C'est The Dark Chronicles, je crois. Genre, il y a un titre principal, puis après, il y a un sous-titre en fait. Enfin, bref. Et ça, je crois que ça sort le 30, le 31. On a de la corde. Très bien. Alors, pour remédier à notre problème de poids. Je sais pas pourquoi on est à 39,90. C'est parce qu'on a pris des bouts de bois, c'est ça? Ah non, il y a le livre aussi. Oh, le livre. 5 heures. Oui, non, ça va. Bon, elle est un peu fatiguée par contre. On y va. Dangereux de le faire en une fois. Et là, si on tombe, on meurt. Mais la descente est plus facile. La descente est plus facile. Faut pas qu'on arrive à moins de 50% de la barre, parce que sinon après, elle va commencer à perdre en poids maximum. Voilà, on est toujours à 40 kg, très bien. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de problème. Faut penser à ça aussi. C'est embêtant, là, on n'a pas de charbon. Ah, j'aurais vraiment voulu du charbon. S'il n'y a pas des objets là, ça commence un peu à faire nuit. Oh, ça en prend. On va pas le prendre. On va pas le prendre. Par contre, quand on revient, est-ce qu'on passe par... Je crois qu'on va passer par là. On va pas le prendre maintenant. À la limite, on le prendra quand on remontera. Parce qu'honnêtement, on va pas l'utiliser. De un, parce que bah, déjà, ça fera pas peur aux loups. Si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont pas peur de ça. Il faut des flares bleus. Donc bah, déjà, voilà, ça marchera pas. Bon, après, on peut... J'ai cru que c'était un gros monstre, je sais pas pourquoi. je parle de jeu d'horreur peut-être, je sais pas. Après on pourrait toujours l'utiliser genre comme arme, genre tirer dessus sur un loup, mais c'est pas vraiment précis, donc pour tirer dans la tête c'est un peu la galère. Je préfère l'arc. Il y a un lit. On peut dormir. On va... Attendez.
Non, on n'a pas besoin de dormir, On va, comme j'ai dit, on va s'arrêter à l'endroit. Enfin, vous verrez, c'est une baraque en fait. On s'arrêtera là-bas. Ça devrait pas être très loin, normalement. Voilà, cric lugubre, mais en hauteur. Cet endroit, je l'avais découvert en stream. Parce que j'étais jamais passé par là. Et on l'avait fait, je crois, l'année dernière. Alors, en théorie, on ne devrait pas risquer grand-chose ici. Il y a des lapins, donc c'est bon signe. Alors, on devrait pas risquer grand chose, et en plus il y a un peu des massettes partout. Donc niveau nourriture, bon bah on est tranquille. Quoi. Alors après il faut que je me rappelle du chemin. Alors, on pourrait prendre tous ces petits bouts de bois là, il y en a beaucoup en plus. Mais on va pas le faire. Puis, on a encore de l'eau, donc on n'a pas besoin de faire de l'eau. Non, c'est par là. Et là, ça commence. Donc, je vais moins parler, on va écouter. Mais là, ça... Ouais, là, il y a déjà deux loups, là, en face. Trois. Ok, donc, il faut trouver l'endroit. Je crois que c'est juste en face. Il y a quoi là? Ah, c'est juste la chute d'eau. Ah, c'est là-bas, on voit la tour. On va passer par là, on va essayer de les contourner. N'hésitez pas à vous mettre accroupi. Hein. Quand vous voyez que vous êtes un peu trop près des loups. Hein. Vous voyez? Oh, là-bas, il y a des bois à couper. Ils m'ont flairé. Ok, ils m'ont vu. Pas le vent, pas maintenant. On vient de se faire attaquer. Merde. Ah, ça va être relou. On est bon. Il y a une difficulté et une facilité en fait avec cela. Avec eux. Il y a une difficulté et une facilité. Parce qu'ils nous attaquent pas directement. Ils nous sautent pas dessus quoi. Non, on est tranquille. C'est pour ça que je voulais pas trop m'arrêter en fait pour les combattre. Allez, ferme. Voilà, très bien. Je voulais pas vraiment m'arrêter pour les combattre parce que ça servait pas à grand chose honnêtement. Il fallait juste tracer. Par contre, on a eu un problème, c'est que le vent, évidemment, s'est levé au mauvais moment, donc on était super lent. Parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai l'impression de jouer à Tarkov. Ah, très bien, on va faire ça. On a tué un, vous avez vu la barre qui est partie? Vous avez vu quand même?
Là, on pourrait aller tuer les autres, comme ça, ça détruirait la barre directement. Ils pourraient partir. Ouais, on va peut-être faire ça. Ouais. Alors, attendez. Ça me un peu lourd. On a du sang un peu par terre. Ah, ce vent! Ça monte les escaliers. Ça monte les escaliers. Ça, je savais pas. Pardon. Je sais pas si ça peut monter jusque tout en haut. Attends, il est où l'autre? Il y en a un là, je crois. Est-ce qu'on peut le faire venir? Mais lui, il est trop loin. Il passe par où, là? Ah, on a un guerrier, hein! Ok, ok, ok. J'en entends deux, on est d'accord. J'ai un peu peur de trop m'avancer. C'est embêtant parce que je vois pas où il est exactement. Ok, on a tué la meute. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois qu'il nous a foncé dessus, il nous a fait tomber. Oula, oula, attendez. Ok, c'est bon. On va récupérer notre flèche. Notre première flèche. Je crois que je l'avais tiré là. Non. Et celle-là. Ah non, c'était là, c'est là. Ah, très bien. Bah voilà, c'est bien passé. Ah, quand on peut les one-shot comme ça, quand on est bon avec l'arc et tout, ça change, hein, ça change la vie. Hein. Donc là, on a déjà tué une meute, donc on peut déjà cocher meute 1. Enfin, non, plutôt Ellie 1, meute 0. En plus, on a des loups juste là, donc on va pouvoir faire à manger directement. Oh, regardez. On va fouiller ça. Il fait pas très froid, hein. Là, on va s'exposer complètement au vent. Il fait moins 5, voilà. Exposé complètement au vent, là, il fait moins 5, il y a du vent, il neige et tout. C'est pas très froid, donc honnêtement, on va pas avoir de trop de problèmes ici, c'est cool. Pourquoi c'est du sang? Donc on peut déjà faire à manger si on veut. Je regarde si j'ai pris toutes les flèches. Normalement on a quoi, 23? Ouais, c'est bon. On a toutes les flèches, parfait. Voilà, suffisait de pas paniquer parce que si on était resté sur place à les combattre, ils allaient nous faire tout autour de nous. Enfin, ils allaient nous encercler, nous taper constamment et tout ça. Voilà, ça allait être un enfer en fait. Donc là, j'ai bien joué, je pense. Nous avons bien joué, parce que vous faites partie de l'aventure. C'est les loups gris. Il y avait une personne en fait qui faisait des recherches ici sur les loups gris. Très bien.
Du coup, je sais pas s'il faut une aurore boréale pour attendre le... Je crois qu'il faut une aurore boréale, en fait, pour l'ordinateur, pour qu'il s'allume. Si je dis pas de bêtises. De toute façon, avec tout ce qu'on a ici, on peut rester ici un moment. Et la corde, si je dis pas de bêtises... Voilà, elle est là. Très bien. Vu qu'on a tué la meute, on va directement aller mettre la corde. Parce que la meute va se ref... Il y a déjà un loup qui est pas loin. Il y a déjà un loup pas loin. Ou alors c'est peut-être pas là, peut-être à un autre endroit. Apparemment, je me rappelle plus exactement où c'est. Ah non, c'est à côté. Alors, il faut aller là-bas et après il faut revenir ici. Non, je crois que c'est juste en face en fait le caillou. Je me rappelle plus. Oh, j'ai un trou de mémoire. Là. Attends, il va où lui? Non, c'est bon. Par contre, elle est fatiguée. Très bien. Et c'est par là qu'on va pouvoir descendre en fait. Par contre maintenant il faut remonter. Par contre j'ai envie de prendre ça. On va prendre un peu plus de Jupiter que d'habitude. Parce que je ne sais pas si quand ils nous attaquent, quand ils nous foncent dessus. Parce qu'ils nous font saigner. Je ne sais pas s'ils peuvent nous... comment dire, nous infecter aussi. Je sais pas s'ils peuvent nous infecter en fait. Ah oui, pour ceux qui sont pas au courant, c'est à partir du 31, je crois, jusqu'au 7 novembre, 31 octobre jusqu'au 7 novembre, il va y avoir un événement sur The Long Dark où il y aura un monstre, actuellement un monstre, qui est invisible parce que les développeurs ils aiment pas. Ils aiment pas créer des modèles apparemment. Et qui va nous poursuivre. Et on pourra pas le tuer, mais le monstre en fait peut nous chasser. Et même dans les bâtiments il peut nous chasser. Donc The Long Dark devient un jeu d'horreur, un vrai jeu d'horreur, comme ce que je dis il y a depuis, je sais pas, 5 ans. C'est-à-dire 5 ans que je le dis. C'est-à-dire que ça pourrait être un très très bon jeu d'horreur. Donc pensez à ça. Cet événement là. Ça peut être cool. Ah, on a... J'avais même pas vu. Bon bah du coup on est bien, on est tranquille ici, on est tranquille. On a posé la corde. Il fait chaud, on a de l'eau, on a... Bon, on va se remettre là. On a ça, donc on va pouvoir passer le temps pour les faire. On a ça qui est en mauvais état, c'est pas grave. On va pouvoir manger ça. J'ai envie de dire qu'on pourrait peut-être prendre quelques steaks, vu qu'ils sont tout simplement à côté. Déjà découper quelques steaks, et une fois qu'on sera prêt, on en fera cuire un peu. Je vais faire ça. Il y a un blizzard, mais je pense pas que ça fasse très très froid. Ah, peut-être. Ça passe. Honnêtement, ça passe, nickel. Je voulais continuer un peu, mais vu qu'il y a un blizzard, on va peut-être devoir s'arrêter là.
bon, là on voit rien. Voilà. Bon, très bien. Donc nous, pour vous expliquer ce qu'on va faire, de ce côté-là, là, on avait vu, je peux pas vraiment montrer en fait, on avait vu des bâtiments, enfin des sortes de... bah des constructions humaines quoi. Donc on va aller là-bas, on va fouiller là-bas, et je crois que c'est... je crois que c'est là-bas qu'on récupère le code, ou alors c'est l'ordinateur ici avec une aurore borale. Je suis pas sûr. Mais voilà, on va d'abord fouiller là, puis après on reviendra ici et on prendra la corde. Donc en gros, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant on a débloqué une route des deux côtés. C'est-à-dire que maintenant on peut monter pour rejoindre le ravin, ou alors... enfin, et après on peut descendre. Donc du coup on a fait un cercle, on peut aller à Muskegmorn, au Creek Ligubre, puis après remonter vers le ravin au lieu de revenir sur nos pas, et vice versa. Donc ça c'est vraiment cool, on a ouvert un passage. Vraiment, vraiment pratique. Vraiment, vraiment pratique. On peut pas mettre la viande directement dedans. Ce serait bien ça. Bon, très bien. Du coup, il faut qu'on dorme. Il faut qu'on dorme. Ça. On va continuer un tout petit peu. J'aurais peut-être pas dû dormir aussi longtemps parce que peut-être qu'on pourrait avoir une aurore boréale. La soif. Oh, c'est quoi ça? C'était quoi cet effet bizarre? Ok, très bien, on a deux morceaux de viande. Il fait un peu froid. On va peut-être pas y aller maintenant, c'est là-bas, oui. On va peut-être pas y aller maintenant. On va récupérer un peu plus de steak. Oh mon dieu, il fait froid. On va les faire cuire. J'ai pas de feu. Non, on a du feu, on a du bois, on a du bois. Non, on a des chaises et tout ça. Did I say I hate being cold? Because I really do. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Mais... non, je crois qu'on a tout pris. On va faire un feu. C'est parti. On va faire un feu, on va faire les deux steaks, puis on va s'arrêter là. On va garder les bâtiments là que je vous ai dit pour la prochaine fois. Vous avez vu, ça fait un effet tout ça sur la fenêtre, plutôt cool. À 30 minutes. On va aller récupérer un steak en plus. Voilà, on en fait quelques-uns. On en fait quelques-uns. Comme ça, on aura un peu d'avance et on sera tout en plein, quoi. Mais honnêtement, comme j'ai dit, ça va pas vraiment être un problème, hein, le... récupérer de la nourriture ici. Vu que la nourriture va venir à nous, c'est-à-dire que les loups vont nous poursuivre tout le temps. Donc on va pas avoir vraiment de problème. Mais ça va, je suis content, c'est bien passé. On n'a pas perdu de flèche. On a tué toute une meute. Bon, après c'était une petite meute, il y avait que 4... Il y avait seulement 4 loups. Mais bon, on aurait pu y passer quand même. On aurait pu y passer quand même. Voilà, c'est du bien. Ah, il me faut de l'eau. Il me faut aussi de l'eau, 30 minutes.
on a froid. Donc ça va. Il y a le brouillard qui s'est levé, c'est un peu plus épais. Donc il fait moins froid, il fait beaucoup, beaucoup moins froid. Ça va donner le tournis de faire ça tout le temps. Ça va donner tellement le tournis. Ok, très bien. On peut faire comme ça aussi, hein, si on veut. Peut-être mieux. Très bien. Je vais regarder les vêtements, dans quel état ils sont, s'ils nous ont pas abîmé des vêtements. Non, tout va bien. Il y a honnêtement aucune alerte, tout ça s'est bien passé. On peut lire les livres. On va peut-être casser ça déjà. On n'a pas vraiment de bois de côté en fait. 2 heures. Faut faire fond. On va lire ça 1 heure. On va lire d'abord le petit livre, comme ça après on le balancera. En eau potable. Eau potable. On a 1h20. On va aller récupérer du bois. Je voudrais récupérer du bois, mais je crois qu'on a. Un invité. Le problème c'est qu'il faut aller vers là pour le. Enfin, vers les arbres quoi. Vers la forêt. Pour du bois. Putain, je vois aucun bout de bois quoi, c'est abusé. On entend des bruits. Hein. Se balader avec ce brouillard là, c'est peut-être pas la meilleure des pas. Il y a eu une tempête, donc les pas devraient être recouverts. Donc ça c'est un qui se balade ici. Faut faire attention. Il y a une tempête de neige, donc il devrait pas avoir de traces sur le sol. Donc ça c'est tout frais. Bon bah. Un bout de bois. Je crois qu'il y a peut-être encore une chaise ou un truc comme ça cassé là-haut. Ça m'embête un peu. C'est bête que ça soit pas des caisses là en bas. C'est un coffre en fait. Mais ça, c'est bête que ça soit pas des caisses. Bon, en tout cas, je suis content. Je suis content. C'est beaucoup plus... Vous voyez, c'est beaucoup plus safe, en fait, ici. Parce qu'il y a ça, en fait. Il y a ce bâtiment-là. Cette tour. Donc, c'est super tranquille. Bon, après, c'est vrai que j'ai été un peu surpris du fait qu'il puisse monter. Je vais pas cacher ça. Je vais pas cacher que ça m'a surpris. Qui puisse monter les escaliers. Ça oui. Non, il n'y a rien à casser en fait. On peut brûler les livres. Enfin oui.
Ah non, il y a rien en fait. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on fait? On a un steak de... Non, on a plus de steak. Ah non, il nous faut du bois. Hein. Il faut qu'on aille récupérer du bois. Parce que je voudrais faire... Bon, l'eau, ça va. On aura 4 litres déjà. Donc ça, c'est tranquille. Mais il faut qu'on fasse des steaks. Donc il nous faut du bois. Donc on va devoir se faire violence. On y va. Oui, les traces, elles ont disparu. J'espère qu'on va pas tomber nez à nez. Et les traces, là. Il faudrait encore 3-4. Morceaux de bois et après on rentre. Eh ben, c'est rare. Hein. Là on est loin par contre. Si on se fait repérer... On pourrait casser ces branches là. Oh! Ça, on va le couper. On en a vu. On en a vu de loin. Je sais pas si c'est ceux-là. J'arrive plus trop à me repérer avec le brouillard, honnêtement. Donc, je sais pas si c'est ça que j'ai vu de loin tout à l'heure quand on avait vu les loups. Je pense pas. Je pense qu'il y en avait plusieurs. Et ils avaient l'air d'être blanchâtres de loin. Donc je pense que c'est pour faire des flèches. Celui-là qu'on a, c'est pour faire un arc. Ok, là on peut rentrer. Ah, ça stresse un peu, hein. C'est parce que c'est... C'est différent en fait, ces loups-là. Donc même le combat et tout ça, c'est différent. Donc l'appréhension est aussi différente. Parce que imaginons qu'on a des loups normaux, ils vont commencer à nous suivre et tout ça. Puis en gros, nous, on continue à courir. Mais là, en fait, si on se fait repérer, ils vont commencer à nous tourner autour, à courir tout autour de nous. Donc c'est complètement différent. On veut vraiment pas se faire repérer. Donc... genre se mettre à accroupi, attendre que ça, qu'il passe et tout ça, c'est vraiment très utile. Parce que là, on veut vraiment pas se faire repérer. Donc j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup ça. On est vraiment dans la survie, infiltration, quoi, en gros. Alors que... qu'avec les loups normaux, bon, on est juste là... Enfin, on passe à côté, on se fait aggro, c'est pas grave, on marche, on continue, et puis basta. Hein. C'est pas très compliqué. Mais là, ça change. Donc c'est bien. Très bien. Non. Très bien.
On pourrait manger ça, hein, comme d'habitude. On a la cuisine à fond, donc nous, on risque rien. Mais bon, comme d'habitude, je vais pas le faire. Je le fais vraiment en cas de nécessité. On va lire le... Ah oui, on va déjà poser ça. La souche, je pense qu'on va la déposer aussi. C'est pas vraiment utile pour nous. Ouais, on va lire le livre. Ouais, le produit là, je sais qu'est-ce qu'on fait. Si on le prend avec nous, ça va être du poids en plus. Ça va pas être super intéressant. Quoi d'autre? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop si ça vaut le coup de le prendre avec nous en fait. Et encore quoi? Deux steaks, on est à 1h30. Je suis heureux. Ah merde. On va pas avoir assez. Je suis heureux, c'est bien passé. Là, on a une belle vue. Là, on a une belle vue. Donc ouais, nous on descend là. Puis après on continue là la descente et on arrivera sur le lac avec... le lac que... Non, je crois pas qu'il soit gelé. Ici. Mais bref, on arrivera là-haut, enfin en bas plutôt. Et on arrivera au bâtiment où on était allé la toute première fois. Un cadavre là. On va peut-être aller vérifier ça. Et derrière les rochers. Oh. On peut passer par là. Cool. Oh. Ah, ça tue. Wow, super. J'étais tout heureux, merde. Est-ce qu'on pourrait monter par là? Oula, ça serait dangereux. Non, il y a le rocher qui gêne. On prend un steak ou pas? Ouais, attends, on va pas se bloquer non plus, parce que je pense qu'on va se bloquer si on continue. Non, on était là pour du bois, on n'a pas de bois. On a toujours pas de bois. Intéressant, je savais pas qu'il y avait une cache ici. Bon, il y avait rien dedans, c'est bête, mais au moins on sait maintenant. Ça aussi c'est pratique d'être l'archerie au max, vu qu'on peut tirer accroupi. Donc dans des endroits comme ça où on doit passer, si c'est à découvert, on risque rien. Oh, des bouts de bois. Quoi ça là-bas? Un cerf mort. Ouais, normalement on continue là. Est-ce qu'on peut le voir de là? Ouais, ça, ouais, on voit le grillage et tout ça. Vous voyez? On voit le grillage et tout. Et là, il y aura des bâtiments là-bas. Donc nous, on ira là-bas. Ouais, c'est bon, on va arrêter l'épisode là, on va finir de cuire, on va dormir. Ça j'aime bien moi, les endroits où on n'a pas froid, vraiment froid en fait. Et on peut se déplacer tout sans problème, ça c'est vraiment cool.
Ah, du coup, on fait vraiment de l'expérience. De l'exploration, pas de l'expérience, de l'exploration. Donc, je suis content de ça. Voilà, on peut rester. Vous voyez qu'on peut rester assez longtemps dehors. Donc, vraiment, vraiment cool. Juste à temps. Juste à temps. Bon, on a 4 steaks. On a un peu d'eau. Très très bien. On a ça aussi. On en a 4. C'est pour ça que j'en ai pris un peu des tiges de massage parce que je pensais que ça allait être un peu chiant de faire à manger. Donc très bien, on a ça. Alors on a récupéré des choses. On va d'abord... Jupiter. Ah, il en faut 3. Je pensais que c'était 2, mince. J'aurais... Ah, si j'avais su. Ah, si j'avais su, j'en aurais pris 3. Ah, mince. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Très bien, on va faire ça le temps que l'eau cuise. Puis après on va boire, manger et dormir. Ah, on va peut-être se réveiller en pleine nuit. Je sais pas si on partira en pleine nuit par contre. Donc où on passera peut-être le temps et... Enfin pour l'épisode prochain, on passera peut-être le temps. Et après on sortira à l'aventure. On verra un peu. Si jamais il fait... Dans la nuit, si jamais c'est clair, c'est assez clair pour se balader, honnêtement, on y va, quoi. Mais je suis pas sûr de ça. Très bien. Au total, très bien. Bon bah c'est parfait. Très 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 heureux de cet épisode. Très très heureux. Est-ce qu'on prend le sac de couchage avec nous pour aller là-bas? Je pense pas que ça soit utile. Je pense qu'on peut laisser de l'équipement ici. Bon après on peut pas laisser... non plus parce que genre on a besoin d'ouvrir les casiers et tout ça, donc le pied de biche on le garde. Enfin s'il y a des casiers, je sais pas exactement, je me rappelle plus honnêtement de ce qu'il y a dans les bâtiments parce que j'y suis allé qu'une seule fois. Si jamais on a besoin de scier quelque chose, la hache, ouais on va pas balancer plein de trucs. Peut-être le livre à la limite, genre ça, ce sera des choses qu'on récupère. Donc sac de couchage on le mettra là, on va le mettre au pied du lit. Voilà. Mais ouais. On fera ça. Je sais pas si les steaks, on devrait pas les mettre à l'extérieur. Je pense pas qu'on devrait les garder à l'intérieur. C'est pas grave. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Le retour de The Long Dark avec un bon épisode. Honnêtement, un très très bon épisode. On est à combien de jours? On est à 197 jours. Vraiment un très très bon épisode. Je suis vraiment content. On a bien avancé et tout ça, on a combattu, il y a eu un peu du mouvement et tout. On est arrivé au bon endroit, au bon moment et comme il faut. Donc ouais, vraiment cool. Prêt pour la suite, prêt pour attaquer la suite de la crique lugubre. On va dormir le plus possible et on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, ciao ciao.